Êtes-vous dans la joie de venir dans la maison de Dieu? Ceci montre et prouve que vous aimez réellement le Seigneur Jésus. Vous avez bravé la pluie. À cause de cette soif de Christ qui est dans votre cœur. Et pour cela que le Seigneur vous bénisse très richement. Normalement, ça devrait être notre berger. Comme il avait promis lui-même, qu'il devrait répondre aux questions. Mais les circonstances n'ont pas permis. Ainsi, nous venons avec une petite exhortation cet après-midi. Je vous demanderai de vous tenir debout. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 3. Nous commencerons au premier verset. Ici, c'est Saint Paul qui parle aux Philippiens. Il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Deux. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Veuillez vous mettre pendant que je vais continuer à lire. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet à mettre ma confiance en la chair. Et si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Maintenant, il dit au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes chose comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Par lesquels j'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances,
en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Maintenant, suivez. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher à le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Dieu, de Dieu en Christ Jésus. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'était une exhortation de Paul aux Philippiens. Et c'est ce que j'aimerais vous apporter également ce soir. Mes frères, mes soeurs, j'aimerais rester dans le même esprit que notre berger. Comme ces derniers temps, il est en train de nous parler d'un sujet très important. Notre espérance bénie. J'aimerais rester dans cet esprit-là ce soir. Vous avez suivi attentivement comment Paul parlait aux Philippiens. Écoutez comment je vais reprendre doucement. Il dit d'abord au reste, mes frères. J'aimerais que ça soit comme si c'est Dieu qui vous parlait ce soir. Ici, comme c'est le prophète Paul qui nous parle ce soir. Prophète Paul, parce que c'est de la part de Dieu qu'il parlait aux Philippiens. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Comme moi, je peux dire. Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Maintenant, il dit ceci. Prenez garde aux chiens. Dans ce chemin, nous devons prendre garde aux chiens. Et il dit, prenez garde aux mauvais ouvriers. Parce que nous devons être conscients de cela. Et le Seigneur avait dit, tout ce qu'ils disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. Et à ce jour-là, beaucoup viendront et ils me diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Et le Seigneur leur répondra, quittez ici, je ne vous ai jamais connu. Vous ouvriez de l'iniquité. C'est que ces gens-là existent encore aujourd'hui. Qui ne veulent pas aider le peuple de Dieu. Et nous devons prendre garde à ces gens-là. Et lui-même dit encore Paul. Prenez garde aux faux circoncis. Ce qu'il y a de vrais circoncis et de faux. Donc sur ce chemin, nous devons toujours faire très attention aux faux circoncis. Ces gens qui se disent chrétiens, qui se disent qu'ils sont cris au Seigneur, qui disent qu'ils
ils sont remplis du Saint-Esprit, alors qu'ils ne le sont pas. À ces gens-là, nous devons toujours prendre garde. Maintenant, Paul dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et il dit, et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Oui, oui. Nous, nous savons une espérance bénie. Et si nous ne devons pas mettre notre confiance en cette chair. Pourquoi? Parce que cette chair nous recevra un jour. Maintenant, au verset 6, il dit. Verset 7, c'est ici mon problème. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est qu'il y avait certaines choses que d'autres pouvaient considérer dans leur vie. Oui, Paul aussi pouvait considérer ces choses-là. Mais à cause de Christ, la parole, il dit, j'ai regardé ces choses-là comme une perte. À cause de Christ, la parole. Pas seulement ça. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Ma soeur, mon frère, nous avons une espérance bénie. La venue du Seigneur, les nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Ça, nous devons avoir ça en esprit devant nous. Et c'est là que Paul, qui avait saisi cette vision, pouvait écrire Philippiens, en disant, et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Écoutez un peu comment Paul pouvait parler au Philippiens. À cause de l'excellence de la connaissance. Or, Paul qui parle de cette manière, ne connaissait les choses qu'en partie. Parce que le parfait n'était pas encore venu. Or, c'est parfait que Paul attendait. C'est parfait-là est venu en ces derniers jours. Donc, nous pouvons parler à la place de Paul. Que nous regardons toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, par lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est ça un chrétien, c'est ça une chrétienne. Quand vous voyez l'excellence de la connaissance de cette parole, Vous rendez compte de ce message que vous avez reçu. Non, vous devez faire comme Paul. Il dit à ce moment-là, je regarde toutes choses comme une de la boue. Afin de gagner Christ. Maintenant, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ou que j'ai atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Tâchez de saisir quoi? Le prix.
Mushinga. Or notre prix c'est quoi? Ah, you wait, Mushinga. C'est d'entrer dans ce pays-là. Mwakukabuela mujodi ditunga. Un jour de se retrouver dans cette nouvelle Jérusalem. Yuko aburi tukutuka sanga nyimbo mu Yerusalem mu yamu yawo. Ce n'est pas que nous avons déjà remporté le prix. Yomwe no kamene tukadi pamane kuhete chitu futuka. Et que nous avons déjà atteint la perfection. Tukadi pamane kufika kubaya na bachi. Mais nous sommes en train de courir. Kadi turi munga chimwa lubilo. Pour tâcher de les saisir. Watwaka heta nukia strege twako. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et Paul continue, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Amen. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Et portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est ainsi que j'ai un petit sujet ici que j'ai intitulé. Regarde vers le bout du chemin. Mon frère, ma soeur, regarde vers le bout du chemin. Fixe tes regards sur l'arrivée. Fixe tes regards vers cette espérance bénie. C'est ça la pensée qu'avait Paul en écrivant aux Philippiens. Maintenant, écoutez l'histoire que Frère Bama raconte, nous connaissons tous, c'est une petite exhortation de ce petit garçon qui avait gagné les vélos. C'est ici que j'ai essayé de tirer le petit sujet de l'exhortation de ce soir. Le prophète raconte cette histoire à beaucoup d'endroits. Mais moi j'ai tiré ça dans l'expectative prêchée le 1er octobre 55. Paragraphe 3, le prophète raconte. Il dit, il n'y a pas longtemps, l'un de mes organisateurs, M. Baxter, beaucoup parmi vous les connaissent, je suppose. Il racontait une petite histoire que j'aime toujours. Et c'est cette histoire-là que j'aimerais reprendre devant vous. Il pédalait tous des bicyclettes. Il était canadien. Il pouvait pédaler des bicyclettes et s'en tirait très bien. Au pluriel donc. Et en fait, il pouvait pédaler sans tenir les guidons. Alors, une compagnie de vélos allait primer à tous ces jeunes garçons des Vancouver qui pouvaient pédaler sur une planche de 30 cm sur une longueur de 91 mètres sans tomber. Suivez attentivement cette petite histoire que le prophète raconte. C'est qu'il y avait beaucoup de jeunes garçons qui roulaient à vélo dans cette ville de Vancouver. Alors une compagnie a trouvé qu'il pouvait alors primer un jeune homme qui pouvait gagner le prix. Alors qu'est-ce que la compagnie a fait? On a dû placer une planche de 30 cm de largeur
sur une longueur de 91 mètres. Et on a dit à tous ces garçons, tous celui qui pouvait rouler sur cette planche, rouler sur cette planche-là sans tomber. Celui-là qui pouvait gagner le prix. Le prophète dit, eh bien, ils se sont tous présentés là pour pédaler ces bicyclettes. Et il y avait un jeune garçon, l'air pour le mouiller par là. Il était juste du genre de ce que nous appellerions nous les durs, un fils de maman. Parmi ces garçons-là, il y avait un autre garçon qui donnait l'apparence d'une poule mouillée. En regardant ces garçons, personne ne penserait qu'il gagnerait le prix. Alors, après que tous étaient montés dessus et tout le monde était tombé, sauf ce petit garçon, poule mouillée. Maintenant, le prophète dit, ces garçons-là, il a pédalé jusqu'à la fin. Et il est descendu, il a gagné la bicyclette. Alors, tous les jeunes gens l'ont entouré et ont demandé. Comment t'y es-tu pris? C'est ça la question que les jeunes garçons posent à l'autre garçon. Comment t'y es-tu pris? Maintenant, suivez la réponse du jeune homme. Il a dit, mes amis, je vais vous dire ce que vous aviez fait. Il a dit, quand vous êtes monté dessus et qu'on vous a poussé et que vous avez démarré, a-t-il dit, vous regardiez comme ceci, cherchant à vous maintenir sur la planche. Il a dit, c'est ce qui vous a fait faire des zigzags. Ça, c'est très profond. Il dit, moi je me tenais pendant que vous montez sur la planche. Vous êtes de très bons, des meilleurs. Très bien connu dans la ville. Maintenant, j'observe ce que vous faisiez. Chacun de vous, quand il montait sur la planche, il était tout le temps comme ça, en train de regarder par terre, cherchant à maintenir son guidon. Vraiment, il a dit, c'est ce qui vous a fait faire des zigzags. Vous êtes devenu nerveux et vous êtes tombé. Maintenant, il a dit, moi, même, je ne peux regarder là par terre. J'ai regardé le bout. Et j'ai fixé mon regard sur le bout. Pédalant fermement droit jusqu'au bout. Vous voyez ce que les garçons avaient tiré comme une leçon. Vous êtes tombé.
C'est parce que vous essayez de maintenir les guidons par vous-même. Au lieu de fixer vos regards sur les bouts, vous êtes en train de regarder par terre. Et si vous pouvez voir dans ceci, c'est que Paul écrivait aux Philippiens. J'ai fait une chose. Regardez laissez ce qui était en arrière. Mes fixants me regardent vers le bout. Vers le prix. C'est pas que j'ai essayé de j'ai déjà remporté le prix. Mais je cours. Vers le but. De ma vocation céleste. Retenez mon frère, retenez ma soeur. Que vous avez été appelé pour arriver jusqu'au bout. Il dit, j'ai fixé mon regard sur le bout. Pédalant fermement droit jusqu'au bout. Et le prophète dit, gardez les regards sur la fin. Sur la? La fin. Après avoir raconté cette histoire, le prophète s'adresse à vous, s'adresse à moi. À l'impératif, il dit, gardez les regards sur la fin. Le prophète dit, Jésus vient. Qu'en sera-t-il alors? Peu importe ce que les gens disent à votre sujet maintenant. Combien vous êtes persécutés? Car tous ceux qui vivent piètement en Jésus-Christ endureront la persécution. On s'est moquera que on les regardera. C'est tout. Mais maintenant, observez ce qu'il y aura à la fin. C'est là que ça payera. Oh mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu fixes tes regards vers l'arrivée, vers le bout. Ne regarde pas à gauche et à droite. Sinon, tu feras des zigzags le long du chemin, tu vas tomber. Garde bien la parole. Fixe les regards sur le bout. Frère, c'est là que ça payera. Tenez donc ferme. Et gardez les regards sur la fin. Ce sera bien pour vous. Amen. Amen. Amen, mon frère. Amen. Gardez les regards sur le bout. Quel est notre bout? Nous regardons à cette espérance bénie. Nous ne resterons pas éternellement sur cette terre, mon frère, ma soeur. Ce que nous voyons arriver, un jour ça prendra fin. Mais nous allons vivre encore quelque part. Et c'est vers ce lieu-là que je suis en train de courir, comme disait Paul. Il disait, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est
en avant. C'est ce que le petit garçon faisait. Il a regardé les autres garçons. Il a regardé les autres frères, les autres sœurs. Comment le long du chemin il pouvait faire des zigzags et tomber. Mais lui il regardait et voyait où les autres commettaient des erreurs. Et vous savez, le prophète raconte une histoire. Un jour, il est allé dans une forêt avec un Indien. Lui, c'était un chasseur. Mais c'était pour la première fois qu'il arrivait à cet endroit-là. Alors, il a pris un guide indien. Pour qu'il puisse le conduire. Mais frère Banam, il était tellement pressé que l'Indien, le guide indien lui a dit. Passe. Vous êtes trop vite, trop rapide. Il frère Banam dit que j'ai essayé de ralentir. Et puis il s'écrit encore. Pasteur, vous êtes rapide. Toi trop vite. Ici chez nous, voilà les principes que nous avons. Avant de faire un pas en avant, observe 9 fois autour de toi. Avant de faire un pas, observe 9 fois autour de toi. Quand cet Indien a dit à Frère Banam, Frère Banam, cette nuit-là, il a dit, ah, ça c'est très sage. Quelle belle leçon. Qu'avant de faire un pas, je dois d'abord observer 9 fois autour de moi. Mais toi et moi, nous ne faisons pas ça. Vous ne voyez pas ce qui est arrivé aux autres. Regarde dans les sens où tu vas. Regarde dans les sens où je vais. Observe 9 fois autour de toi. Tu vas tirer une leçon de ce qui est arrivé aux autres. Et Dieu, dans Dieu tient sa parole. Prêchez le 13 juin 57, le prophète dit ceci. 47. Le prophète dit ceci. Oh! Si ce n'est pas une leçon pour l'église, ne regardez pas à ce qui se passe ici. Observez la fin et restez ferme. Oh mon frère, oh ma soeur, ne regarde pas ce qui se passe ici. Ne regarde pas les choses qui sont tout autour de toi. Tu risques de décourager pour rien. Mais le prophète dit, observe la fin et reste ferme. Et il dit, tenez-vous à la parole de Dieu. C'est ça notre guidon. Les garçons, tenez fermement le guidon. Tout en regardant les bouts. Il tenait fermement la parole tout en regardant l'objectif. Il se disait, les autres sont tombés parce qu'ils essayaient de maintenir le guidon, mais tout en regardant à gauche et à droite. C'est pour cela qu'il pouvait faire des zigzags sur la plage. Mais le prophète dit, observez la fin et restez ferme. Pas seulement ça. Tenez-vous à la parole.
Ma soeur, mon frère, pour cette espérance bénie, pour y arriver, nous devons tenir fermement la parole. Oui. Maintenant, il dit ceci. Maintenant, il raconte la même histoire, mais il fait une conclusion ici, il dit ceci. Je ne suis pas un cycliste de votre calibre. La même histoire. Je vois où vous avez commis votre erreur. Vous regardiez en bas comme ceci. Cherchez à garder cela en équilibre. Non. La parole elle-même se vit. Comme nous avons suivi dernièrement que le christianisme c'est une vie. Vous regardez en bas comme ceci, cherchez à garder cela en équilibre. Il a dit, lorsque moi je suis monté dessus, et comment puisse pousser? J'ai fixé les regards sur le bout du chemin. J'aimerais que ça soit ça votre prière, que ça soit ma prière ce soir. Dans notre vie sur cette terre, nous devons pas regarder à ce qui se passe autour de nous. Nous ne devons pas regarder ce qui se passe dans le monde. Dieu nous a déjà parlé dans sa parole. Ce que nous voyons arriver dans le monde aujourd'hui, Dieu avait déjà promis cela dans sa parole. Et quand nous voyons ces choses s'accomplir sous nos yeux, alors nous devons rouler sur la plage en fixant nos regards sur le bout du chemin. Et les garçons disent, j'ai tenu ferme. Eh bien, homme d'affaires, ne regardez pas ici. Vos affaires peuvent prospérer et faire faillite demain. Amen. Amen. Je peux aujourd'hui travailler demain, ne manquer du travail. Je peux prospérer dans mes affaires. Ainsi dit le prophète. Faire faillite demain. Nous voyons ça sous nos yeux. Elles peuvent faire faillite un autre jour. Même le travail peut se terminer un jour. Mais le prophète dit, mais regardez le bout du chemin. Et c'est là que votre police d'assurance va payer. Amen. Amen. Regardez vers le bout du chemin. Mon frère, regarde vers le bout du chemin. C'est là que tu comprendras ce qui t'arrive maintenant. Quand tu te retrouveras dans cette terre bénie. Quand tu vas te retrouver dans cette nouvelle Jérusalem, tu comprendras ce qui vous est arrivé sur cette terre. Et le prophète dit dans question-réponse, seuls les élus entrent à ce moment-là. Seuls les élus iront dans le millénium. Et le prophète dit, oh frère, quelle sorte de gens devrions-nous être? De savoir que Dieu nous a élus
Un jour nous serons enlevés. Un jour nous vivrons sur cette terre pendant 1000 ans. Un jour nous entrerons dans cette nouvelle terre. Quelle sorte de gens devions-nous être? Et le prophète dit: je veux vivre dans le millénium. Comme je veux vivre dans le millénium, alors le prophète dit: rejetons tout fardeau et tous les péchés qui nous environnent si facilement. Si une personne dit quelque chose de faux ou fait quelque chose de ce genre, priez pour elle et continuez votre chemin. Que votre choix soit porté seulement sur Dieu. Si personne ne le fait, vous faites-le. Que votre choix soit porté seulement sur Dieu. Si personne ne le fait, le prophète dit: vous faites-le. C'est ça un chrétien, c'est ça une chrétienne. Que d'autres abandonnent le message. Que d'autres abandonnent la parole. Mais moi j'ai fait choix dans ma vie. Je suivrai Christ la parole jusqu'au bout. Parce que je vais arriver là. Je me rendrai dans cette ville. Et j'aimerais vivre pour toujours. Car il y aura des élus qui vivront dans le millénium. Et qui passeront 1000 ans avec Christ. Aimeriez-vous être de ces gens-là? J'aimerais également être de ces gens-là. Pour cela, gardez le regard sur la fin. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ne considère pas ce que les gens disent. C'est lui qui t'a appelé, c'est Dieu. C'est lui qui t'a appelé, mon frère, c'est Dieu lui-même. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent. Les gens parleront toujours. Les gens ne peuvent pas manquer de dire quelque chose à votre sujet. Mais comme votre regard est fixé sur le bout, bouchez les oreilles. Bouchez les oreilles. Amen. Maintenant, il dit ceci. Quelle est cette attraction sur la montagne? Je suis en train de terminer. Prêchez le 25 juillet 65. J'ai donc mon esprit fixé sur ce message. C'est ce troisième poule. Et c'est envers cela que je dois être fidèle et respectueux. Amen. J'ai donc mon esprit fixé sur ce message. C'est ce troisième poule. Et le prophète dit: c'est envers cela, envers le message donc, que je dois être fidèle et respectueux. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Nous devons avoir les yeux fixés sur le message, sur la parole. Et nous devons avoir du respect envers ce message. Pas seulement du respect, mais rester fidèle au message. C'est envers cela que je dois être fidèle et respectueux. Ce que la parole condamne, je dois le condamner. Ce que le message n'accepte pas, mon frère ou ma soeur,
Moi, je dois être respectueux. Envers Christ, le message. Je dois être fidèle. C'est s'attendir fermement au guidon. Les garçons restent fermement attachés au guidon. Mais en ayant les regards fixés sur les bouts. C'est comme cela qu'il a remporté les prix. Les autres, bien qu'ils étaient bons, ils ont bien commencé. Mais le long du chemin, ils ont fait des zigzags, ils sont tombés. Mais les garçons qui étaient là, regardez là où les autres faisaient des erreurs. Il a constaté, c'est parce qu'ils avaient les yeux en bas. Les yeux dans leurs affaires, oubliant qu'il y a une espérance à venir, et ils sont tombés le long du chemin. Et pour terminer, le prophète dit, dans quelle maison me bâtirez-vous? Du 21 novembre 65, paragraphe 33, les saints prophètes. Dans quelle est cette attraction, il a dit, j'ai mon esprit fixé sur le message. Ça, c'est envers cela que je dois être fidèle et respectueux. Maintenant, dans quelle maison me bâtirez-vous? Paragraphe 33, il dit, honorez toujours le message. Ma soeur, mon frère, gardez les yeux fixés sur la fin. Mais honorez toujours le message. Et menez les genres de vie correctes. Et il dit, ne laissez aucune saleté se poser dessus. Ne laissez aucune saleté se poser sur le message. Vivons une vie pure. Ma vie. Votre vie. Toutes nos vies ont besoin de progresser jusque dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, honorez le message. Pendant que vous tenez le guidon, honorez le message dans votre vie. Ne laissez pas les saletés venir sur ce message à cause de vous, à cause de moi. Si tu fais quelque chose de mauvais, si je fais quelque chose de mauvais, les gens en parleront. Et là, les saletés vont venir sur le message. Le conseil du prophète, honorez toujours le message. Honorez toujours le message. Gardez les regards sur les bouts. Mais pendant que vous roulez, honorez toujours le message. Qu'est-ce que le message dit à ce sujet? Je dois dire respect au message. Je dois honorer ce message dans ma vie. Vivons une vie pure. Ma vie. Votre vie, toutes nos vies ont besoin de progresser dans la présence de Dieu. C'est la seule façon pour nous d'honorer ce message. C'est de vivre une vie pure. Manifester Christ au monde aujourd'hui. Prouvez à ces gens que nous avons une espérance.
grâce. Alors je ne peux pas accepter le seul de venir sur son message. Je dois mener une vie pure pour convaincre le monde aujourd'hui. Pour que les gens se rendent compte que j'ai une espérance dans mon cœur. Que je ne vis pas pour les choses du monde. Je n'ai pas une vie limitée. Non. J'ai une vision à longue portée. Je regarde vers ma destinée. Raison pour laquelle je garde fermement ce message. Je mène une vie pure pour honorer ce message. Je dois respecter ce message par ma vie. Et c'est cela le conseil que Dieu nous donne ce soir. Si nous pouvons nous incliner, mon frère et ma soeur, garde tes regards vers la fin. Comme Paul le disait aux Philippiens, je cours non pas comme quelqu'un battant l'air. Non. Mais je ne pense pas l'avoir saisi. Ça, c'est Paul. Mais je fais une chose dans ma vie, oubliant ce qui est en arrière, mais portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste à Jésus-Christ. Et ne peux-tu pas dire quelque chose au Seigneur pour ce soir? Seigneur, garde mes regards fixés sur le bout. Je me réentrerai dans cette ville-là. Je me rentrerai dans cette nouvelle Jérusalem. Non, ne regarde pas mes regards, que je ne puisse pas regarder en bas. Si je regarde aux choses du monde, je finirai par faire des zigzags dans ma vie. Et je vais tomber. Quelle grande leçon, mon frère et ma soeur. Si vous regardez en bas, si vous ne fixez pas vos regards vers le bout, vous finirez par faire des zigzags dans votre vie. Mais vous ne pas faire des zigzags. Mon frère et ma soeur, fixez tes regards vers le bout, vers l'arrivée. Non, tu vas y arriver. En honorant le message, en respectant le message, ça va payer à la fin. Sauve mon frère, sauve ma soeur. Que Dieu nous aide, nous tous. Courons de manière à remporter le prix de notre vocation. Courons de manière à le remporter. Courons de manière à entrer. Ne manquez pas ces grands rendez-vous. L'un de ces quatre matins, la seconde venue aura lieu. Qui est l'enlèvement? Raison pour laquelle le message est venu. Le message prépare l'épouse. C'est le cri des commandements qui a retenti. Levez-vous. Préparez-vous pour ce grand jour. Préparez-vous pour cette grande ville. Préparez-vous pour entrer dans ce pays-là. Et c'est ce que le message est en train de faire. Courez de manière à les remporter. Fixez les regards vers le bout. Tenez fermement la parole. Respectez la parole. Honorez le message dans votre vie. Oh, c'est ce que Dieu veut aujourd'hui pour son épouse.
Créateur, toi les dieux miséricordieux, les dieux riches à miséricorde et lents à la colère. Nous te remercions, Seigneur Jésus-Christ, pour cette parole qui vient de sortir, notre Dieu. Ta maison, c'est la maison des corrections. Quand nous venons ici, Seigneur, nous sortons différemment de la manière que nous sommes entrés. Ô Dieu Tout-Puissant, tu as parlé à nos cœurs, Seigneur. Tu nous as interpellés, ô Dieu Tout-Puissant. Tu nous as dit de regarder au bout, Dieu Tout-Puissant et Dieu de miséricorde. Nous ne pouvons pas mener la vie chrétienne par nous-mêmes. Nous avons besoin de ton assistance, Père. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu des armées, merci beaucoup pour cette parole qui vient de sortir, Dieu bien-aimé. Aide-nous, Seigneur, à mener une vie chrétienne. Aide-nous, Seigneur, à mener une vie digne de ta parole, afin que nous puissions te rencontrer dans les airs, Seigneur. Afin que nous puissions jubiler avec toi. Afin que nous puissions aussi, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, être avec toi. Ô Seigneur, quand tu viendras enlever ton épouse. Ô Mukalinga Yesu, toi, Sagidila, Mioi, tu dis ni disanka, Ichonkomo, Kamukalinga Yesu. Walumushinga on swaka ufuta kumuchumuchamakana, niwe waka janjile kutusumula, watwikale kumukenje wakumatuwandekelu, tuambulisha kumukalenga Yesu, tuambulisha kumukalenga watutomushinga jie jitujibitaba, tuambulisha kumukatuwe jibundu hajije bato, tuasa kijile mukalenga Yesu Kristo, lumu, butumbi, nebuneme bikwalu kijile wewa, mashijini chendeleni. Mukalenga Yesu Kristo, benese mwene mujumwebo wakuluanga nyinenda, mubenese mukalenga, benese mijimu yenda yonzi vijiwenza mukalenga, mwesa kabiji biabuni bia yeku tuambile kabiji mumatu kwa achilualwa, kwa misuka yetu beneshibwa, benesa kabiji ujumu mwanda muna, fujisa kabiji makandenda mukalenga, limuheshe makumba na onsu wa musangu julua, wakwenzela kabiji mujumu bimbu. Benesha kupinje mujumwe wa musangu tukatukebo kubanga ikala kunetu kumbanga lutini kundegelu kwa mujumwe u bolo tola mbulu vyonsu mubie babianza mujine jamu kalenga ni musungi Yesu Kristo. Amen. Il est porté à la connaissance des amis des enfants de l'Ekodim que le dimanche 24 octobre 2021, on fera la révision sur les sept sceaux. Et qu'on en fasse une large diffusion. Le Jirekodim dit salut. Jirekodim, le diacre Pierre Kalende Djibwe et le diacre Sélé appellent leur juridiction à les rencontrer après culte à leurs endroits habituels. Moulami Pierre Kalende Djibwe, ni Moulami. Sele bajiba bigile bito biji batangila hanyima antendele luetu. Le président Georges veut rencontrer les huissiers. Président Georges juge ngako tutakene ne ba huissier. Nous avons un seul communiqué nécrologique. Tujine jibanyisha di moja majilu. Le diacre Pierre Kalende Djibwe nous communique que le frère Théo Tshiswaka son frère a perdu son grand frère. Le deuil est à Toubondo 2, près de Lukusa Jean-Christophe, à leur domicile. Thank you.
Inclinons nos têtes. Père céleste, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de notre culte, il ne nous reste qu'à te dire merci. Nous voulons sortir. Prends-nous sous ta garde jusqu'à nous faire arriver dans la paix dans nos foyers pour ta propre gloire, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Sœur Thérèse Mwangandu, ou si tu n'es pas là, que le frère Janon, l'un de vous me voie.